Salut, zami mouen. Jodi a, nan numéro 853, nan rubrique nou an, ma Bible, mon trésor, nan continue présenté ou le Dieu de la Bible, le Dieu des chrétiens, le seul Dieu vivant et vrai. Dans un premier temps, nan pas accepté, c'est pas un travail qui du tout facile, parce que personne pas qu'à connaître bon Dieu dans toutes ses dimensions. Le langage humain est très limité avec un vocabulaire très pauvre pour être capable d'écrire et désigner toutes les caractéristiques de ce Dieu merveilleux. Également, nous conscients que la personne et l'œuvre de Dieu nous dépassent. Mais est-ce que ça t'a dit nous sommes condamnés ou bien nous devons rester dans une ignorance totale concernant la personne et l'œuvre du grand créateur? Point du tout, parce que le grand créateur s'est révélé. Ça veut dire gagner en pile information et même des évidences que ce Dieu créateur et tout-puissant partageait ensemble avec nous-mêmes les hommes. Nous trouvons ces éléments révélés dans la création et surtout à travers les Saintes Écritures. La Bible, le Dieu de la Bible, le Dieu des chrétiens, il est l'être suprême, il est unique, pas guetta cool, il est transcendant. Nous pas qu'arriver qu'on ait grande chose sur le Dieu créateur si c'est pas lui-même qui prend initiative pour le révéler nous yo. Ce Dieu, le Dieu de la Bible, il est universel. Il est le grand créateur de toutes choses. Il est absolument parfait. Il est le seul qui contrôle le temps et toutes les circonstances. Le Dieu de la Bible, le Dieu des chrétiens, il est esprit. Et en tant que tel, il est invisible, incorporel, sans substance matérielle, sans éléments et passions physiques. Le Dieu des chrétiens est libre de toute limitation temporelle. Il existe de toute éternité et il existe pour l'éternité. La Bible nous présente le Dieu des chrétiens comme une personne. De ce fait, il est infiniment intelligent, il a des émotions et il a sa volonté propre. Parmi les éléments de la personnalité de Dieu, il est capable d'aimer. De ce fait, il aime et il est amour. Car Dieu a tant aimé le monde. Il est le grand Dieu créateur. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu entend et voit. Psaume 94, verset 9 dit-nous, « Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne regarderait-il pas? » Le Dieu de la Bible est unique. 1 roi 6, verset 60. Tous les peuples de la terre doivent reconnaître que c'est l'Éternel qui est Dieu. Il n'y en a point d'autre. Ésaïe 44, verset 6. Dieu lui-même dit, en dehors de moi, il n'y en a point de Dieu. Psaume 45, verset 5. Je suis l'Éternel. Il n'y a point d'autre à part moi. Il n'y a point d'autre Dieu. Verset 6. En dehors de moi, il n'y a que néant. Je suis l'Éternel. Il n'y en a point d'autre. Ésaïe 46, le verset 9. Dieu dit, rien n'est semblable à moi. Et zami mwen n'a ajouté pour même, le Dieu de la Bible existe par lui-même. Il est celui qui est. De la façon la plus simple, cela signifie Dieu le Créateur existe parce qu'il existe. Il est le Jéhovah. Il ne dépend de rien ni de personne pour ses pensées, pour sa volonté, pour sa puissance et pour son conseil. Le Dieu des chrétiens, le Dieu de la Bible est autosuffisant. Il est totalement impossible d'imaginer qu'il ait le plus petit besoin qu'il ne pourrait satisfaire lui-même. Zami mouen, nous espérons que vous comprenez
la vraie connaissance, la seule connaissance concernant ce Dieu merveilleux et notre Rédempteur est étroitement liée à notre salut. Car, Jean 17, verset 3, la vie éternelle, c'est que nous, les sauvés, nous connaissons le seul vrai Dieu et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Demandons simplement à Dieu dans nos prières qu'il nous illumine davantage pour mieux le connaître et mieux le servir. Amen. Que moun ki gen zorey pou tande, tande. Et t'en prie, ke be kontak ansanm avèk nou pou notre plus prochain numéro. Nou gen plus encore pou nou di. À la prochaine.